niveau de cette catégorie. Et les voilà partis. On a marqué un temps d'arrêt avec Donama, mais on est très bien parti avec le 5 Adrenaline Team. On vient également aussi avec un concurrent comme le 3, c'est-à-dire Hurricane Jones. On a son extérieur avec Kilmaro. On se retrouve en 5e position avec un concurrent comme Bel Éclair. On se retrouve en côté corde avec Philaro. On ferme la marche avec Donama Mère. Donna ma mère, question numéro 5. Au poteau de 700 mètres, c'est Adrenaline Team, couleur de Madame Angela Télamont qui mène. On est en seconde position avec Hugan Jones qui tire quelque peu. On en sort au troisième avec Kilmaro. On est quatrième avec Philaro. On ferme la marche avec le 5, Donna ma mère, qui est juste précédé par le 1, c'est-à-dire Belle Éclair. Au bout de 1400 mètres, un cheval se fait la malle. Il a plus de 20 longueurs d'avance. C'est le 6 Adrenaline Team qui allonge ses foulies. Ses foulies en seconde position. On retrouve Kilmaro. Côté corde, on a Hugan Jones. On est quatrième avec Philao. On est cinquième avec un concurrent comme Bel Éclair. On se rapproche maintenant côté corde avec Donna Mamère. Pour aborder le tournant à 800 mètres de l'arrivée, c'est toujours le même, c'est-à-dire Adrenaline Team qui ne se laisse pas compter et qui remet encore une couche. On est deuxième avec Hugan Jones. Kilmaro est en poignée. On essaie de réagir. Côté côté avec Donna Mamère qui vient très facilement, qui fait très belle impression. On est sollicité avec Philaro. On fait la marche avec Bel Éclair. Pour sortir du tournant et à 600 mètres de l'arrivée, c'est toujours le numéro 6 Adrenaline Team qui est parti pour la gloire. Mais on ne se laisse pas compter avec Donna Mamère ainsi que Hugan Jones. On est battu certainement avec les autres Kilmaro ainsi que Philaro qui est en poignée. À 600 mètres de l'arrivée, c'est toujours le même, c'est-à-dire Adrenaline Team qui va peut-être partir pour la gloire, mais on vient aussi avec Donna Mamère en pleine piste. On vient maintenant avec Bel Éclair qui a trouvé son jour. On est sollicité avec Hugan Jones, on fait la marche avec Kilmaro. C'est Donna Mamère maintenant, les couleurs de M. Georges Dangevin qui s'envole, qui passe à surmultiplier et qui laisse sur place Adrenaline Team, mais qui va essayer de se refaire son retard. C'est Donna Mamère, ce numéro 5, qui est parti pour la gloire. Adrenaline Team essaie d'attaquer, on finit fort avec Bel Éclair. Et c'est ce numéro 5, Donna Mamère, qui va l'emporter devant le 6 Adrenaline Team. On est troisième avec Bel Éclair, quatrième avec Philaro, on fait la manche avec Kilmaro.